C'est en direct avec Anaël. Oui, justement, je te disais que c'est en direct, on ne sait jamais. J'ai oublié de dire à ma fille que j'étais en direct. Oh là là. Avant de prier ma fille, pardon, ferme la porte. Tiens un peu la porte, s'il te plaît. Merci. Sinon, nous tous on prend le chantier là. Partagez, moi je prends le chantier là, je suis fatigué. Nous tous on prend le chantier là. Merci mon bébé. Qu'il y a un chantier sur la toile. Donc, c'est un chantier qui se discute. Je fais le, je m'invite dans ce chantier-là. Donc, c'est le courage. Et apparemment, l'auteur du film s'appelle Patrick. L'auteur du film s'appelle Patrick. Nous poussons les dents. Allô? Je suis sauf que dans ce chantier-là, le tout, si nous tous on est dedans, comment? Donc, moi, il reste de me offrir, tout le monde est dans le chantier-là, je suis dedans. Patrick, n'essaye même pas de passer dans un direct. Patrick, j'ai dit, c'est ça qu'on appelle garçon. Patrick, c'est ce qu'on appelle un homme qui a des couilles. S'il passe dans un direct, c'est que c'est un Wandengue, je ne sais pas. Quel est le nom qu'il peut me donner encore qui n'est plus bon là? Je ne sais pas. Patrick, tu connais la chanson qui dit? C'est quoi? Patrick. Patrick. Un Français qui a chanté ça. Patrick. Ne teste même pas, ne tente même pas, les gars là vont te piéger. Pat. Patrick. Patrick, si tu m'écoutes, c'est le pape qui te parle. Aucune blogueuse t'appelle, tu prends le téléphone, on va te piéger. Pat, ne tente pas. Pat. C'est le pape. Pat, Pat, allez m'appeler Patrick. Pat, sache que tu as les pièges de partout. Toutes les blogueuses là, hein, la seule personne qui est vraie, qui s'en fout là, non, c'est le neuf. Parce que le neuf a dit qu'elle ne cause même pas avec lui. Elle a dit qu'elle ne veut même pas causer avec lui. Elle a été directe. Pat. Pat. Est-ce que tu sais que tu as le challenge? Pat, je parle à Pat, il m'a dit sa Pat. Patrick, tu as le challenge de Facebook à ce moment. La blogueuse qui va parler avec toi va gagner le jackpot. Donc là où tu es là. Pat. Patrick, tu as le buzz en ce moment. Si je pouvais booster, je boostais là maintenant. Je partais à 20 000. Pat, tu as le buzz de la toile en ce moment, comme je t'ai dit là. Si tu tentes de parler dans un direct, Pat, tu es piégé de partout. Ça, je te le dis, Patrick. Patrick, c'est le pape, c'est le monde entier qui te parle. Un vrai homme ne part pas sur les réseaux sociaux régler ses problèmes. Donc si tu es un mec, quel est Mambindi? Si tu as
Si tu es fort aux fesses, ne tente même pas d'intervenir dans un direct. C'est que tu es mort en guerre. N'essaye même pas. C'est le monde entier qui te parle. Donc, en ce moment, pour l'instant, tu es l'homme le plus fort aux fesses. Donc, si tu tentes d'aller parler dans un direct là, c'est que tu es faible aux fesses. Tu es recherché comme le billet de 500. Tu es recherché comme le billet de 500. Mais on va dire, ma jumelle, le 9, tout ce que nous ressentons sont les choses de loin. Elle a dit que je ne veux même pas causer avec lui. Il ne m'intéresse même pas. Oui, c'est ça. Ma jumelle a dit que je ne veux même pas. Il a tout fait pour causer avec elle. Elle a dit que je ne cause pas. Mais maintenant, il y a les gens qui veulent causer avec pour montrer que leur buzz a payé. Patrick, c'est le pape qui te parle là. Écoute-moi bien. Le pape dit que tu ne passes nulle part. Tu passes quelque part, ce n'est pas bon. Tu passes quelque part, ça ne donne pas. Mola, écoute-moi, Tara. Tu es recherché comme le billet de 10 000 au Cameroun. Recherché comme le billet de 500 euros en France. Mon ami, les gens disaient que on te soutient, ils mentent. Aucune femme ne peut te soutenir dans l'action-ci. Mon ami, toi et moi, non, on est une place. Ne passe dans aucun direct. Si tu passes, tu as baissé la garde. Ne tente même pas. Ouch! Donc, si tu passes, non, ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont dans la justice. Parce que Facebook, c'est la justice populaire. Ne tente pas, mon père. Dès qu'on entend de ta voix, on va te souiller et on va te dénigrer. Tu connais les filles là? C'est les piégeuses. Et elles enregistrent, hein? Méfie-toi. Donc, ne parle même plus avec eux au téléphone. On va t'enregistrer. Hey! J'ai pitié de toi. Oh. J'ai pitié de toi. Pat, j'ai pitié de toi. Non, nous-mêmes, on organise le direct ici. Nous-mêmes, on achète le programme ici. Dès que ma copine, je sens que ma copine va jeter le chantier ici. Tu sais que ma copine n'est pas mélangée, elle est comme moi, non, on ne mélange pas. Quand il y a les pépettes qui entrent derrière, là, nous, on quitte. Donc, le dossier, si la première personne à parler de ce dossier, c'est ma copine. Donc, le reste, là, c'est les suiveuses. C'est ça qui est ça. C'est le fouma. Ma copine a parlé avec, elle a fini avec. Maintenant, nous, on conseille à Patrick de ne passer dans aucun direct. Patrick, si tu tentes et te clash, chaque jour pendant un mois, oh yeah. J'ai changé les caleçons. Le jour que je porte le caleçon noir, Patrick, c'est pour toi. Hey. Patrick, si tu passes dans un direct ici dans Facebook, je me désabonne. Et je porte l'occasion noire pour toi. Chaque fois que je porte l'occasion noire, c'est que Patrick, je suis en train de vouloir finir avec toi. Ne tente même pas. Patrick, tu sais que tu es un père d'enfant. Alors si tu veux devenir néant, passe dans un direct dans Facebook. Tu es fini. N'entre pas dans l'air politique, Patrick. C'est le pape. C'est le pape qui te parle. Je wanda. Patrick, il y a un défi. Il y a un défi. Patrick, il y a un défi. C'est que la première personne chez qui tu vas passer va gagner 10 000 euros. Zuckerberg paye 10 000 euros. Donc, Patrick, et on ne va rien te donner dedans. Donc mieux non, continue ton game avec tes deux gars, deux places. Moula, tiens non. C'est ça qui est ça. Pat, tu sais que quand je t'appelle, il y a Pat, ça veut tout dire. Pat,
Ne cède pas à la tentation. C'est le pape qui te parle. Faut pas céder. C'est parce que les soldats dorment déjà. Il y a l'autre qui est en train de faire sa prière. L'autre dort depuis. Elle a la grippe même qui l'a menacée là tout. Un an. La patronne, la vraie patronne même dort. Patrick. Pat. Je vais t'appeler trois fois. Je ne t'appelle pas Patrick. Je t'appelle Pat. Comme les intimes. Pat. Pat. Méfie-toi. Toute personne qui vont t'appeler, méfie-toi. Tu as l'écoute. Tu as l'écoute. On ne te prévient même pas d'abord avant que tu aies en direct. Moi, j'ai des éléments qui sont dehors. Donc, Pat, si tu passes dans un direct, tu es cuit. On appelle cela justice populaire Facebook. Pat, méfie-toi. Parce que là où tu es là, tu es suivi. Pat, Facebook, quand t'amènes derrière la justice de Facebook, Pat, ta vie est déjà dehors, méfie-toi. Mieux non, tu vis caché. Pat, ne passe à aucun direct. Parce que Pat, depuis que cette histoire existe, ce chantier-ci là, le pape ne parle pas. Mais Pat, tu as ma parole que si tu passes dans un direct, moi aussi, j'achète le problème. Donc, Patrick, tu ne passes à aucun direct. Laisse-les jacasser. Ne passe nulle part. Tu as vu, non? On t'a dit qu'il y a le 9 et le 10. Si le 9 a dit qu'elle ne veut pas discuter avec toi, c'est ça qui est ça. Voilà. Et c'est ça qui sera ça. Seigneur Jésus, c'est quoi cette histoire qu'on veut? Hein? Ne me dis pas. Pat, c'est très bien ça. Continue comme ça. Pat, Pat, écoute-moi très bien. Moi, je n'ai pas besoin de booster ma page, hein, pour parler de toi. Tu as compris? Je ne booste pas. Je sais que ça va arriver chez toi. Mais c'est facile. C'est facile. J'ai dit bien Patrick. Peut-être que parler Patrick, on va croire que c'est mon Patrick de 17e. Patrick qui fait le buzz en ce moment sur la toile, qu'on dit qu'il a fait, il a pris la femme, il a mis dehors, il a pris une autre femme. C'est de toi que je parle. Ne te laisse pas piéger. Ne passe dans aucun direct. Et toi aussi, la Tisa. La Tisa. Si tu passes encore dans un direct, je te clash. Je pense que votre buzz a assez duré. Nous, le buzz ne dure pas une semaine. Bientôt, ça va faire une semaine. Il s'agit de ça. Arrêtez ça. J'ai dit, Patrick, en tout cas, sache que tu es recherché comme le billet de 500 euros. Et au Cameroun, tu es recherché comme le billet de 10 000. Avec 10 000, tu as un bon poképic. Donc, Patrick, sache que là, tu vas être piégé. La première blogueuse avec qui tu vas discuter en direct gagne le jackpot sur la toile. Voilà. Ouyou, maman.
Non, Patrick. Non, 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 non. Patrick, tu es piégé à tous les coups. Mais c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Tu sais. Patrick, hein? Moi, je dis encore à Patrick que j'espère que la famille de Patrick est sur les réseaux sociaux. Allez dire à Patrick que il est piégé, il est calculé jusqu'à ses tantes. Pour l'instant, on le juge sans le connaître. S'il tente de s'exprimer, il est cuit. Il est cuit. Patrick, les hommes qui sont sur la toile là, c'est les tchè. Si tu veux être tchè, viens, nous on va te juger. Hein. Ah, moi je te dis alors. Patrick, si tu veux être tchè, viens sur la toile. Pour l'instant, même le FBI te cherche. Le FBI te cherche dans tous les teams. Patrick, il t'a fait le Congo, ça, Pat. Il sait que tu me suis. Pat. Il y a les gens qui ont fait le direct, non, ils t'ont appelé. Jusqu'ils ont fait le clin d'œil que on te soutient alors que on veut que tu toques. Pat, demain, moi, je fais le direct sur ton sujet aussi. Demain. Non, je ne peux pas demain. Hey, je suis chez Apuchu International. La TKC se sont battus. Ils ont dit que je dois être à la hauteur. C'est grave. On dit que je suis en compétition avec Emma Louès. Hey, comme je ne connais pas qui on appelle Emma Louès, j'ai demandé à Kanaï quand elle est rentrée. Ma copine Kenkam. Kenkam, c'est ma copine. Tu as compris? C'est ma copine. Flo, c'est ma copine. La blogueuse que je vois s'approcher de ma copine. Mon garde du corps va donner une balayette. Ça qui est ça. Maman, maman, tu ignores quoi? Il faut se lever le matin. Au travail, hey, tu parles de quoi? Je suis fatigué là, je suis là. Dès que je vais verser l'eau sur moi, dès que je verse l'eau sur moi, là, ça me fait, ça me berce. Je dors comme un nouveau-né. Le goût de ça. Non. Oh. Oh, Patrick. Patrick. Big up à toi, de l'autre côté. Comme dit mon grand frère, on est ensemble, Pat. Pat, mais pas nulle part. Bisous, ma fille, bisous. Pat. Ne tente même pas. Tu es piégé. Tu as compris, non, Pat? Voilà. Tu es recherché comme le billet de 500. Ce que je vais faire demain, j'ai entendu un peu tout le monde. Tout le monde a jacassé, on a parlé, on a raconté, on a essayé de piéger Pat, mais Pat ne s'est pas laissé faire, s'est pas laissé embobiner. Ce que je vais faire demain, vous qui passez votre temps à mener vos vies sur les réseaux sociaux, moi je vais décrypter ça demain et je vais vous juger aussi. À votre tour. D'accord? Non, pas demain. Je ne peux pas être demain. Demain, Mako et moi, on doit boire le champagne. Non. Mais quand vous allez finir tout, tout le monde va finir. C'est là que moi je dis alors. Quand le problème, tout le monde a parlé, non. C'est à finir, non. C'est qui m'appelle? N'appelez pas là, c'est. Nous dort déjà, ne m'appelez pas. Allô? Oui.
Ça va? Écoutez quoi? Ça en fait. Non, mais c'est ça qui est ça. Non, c'est ça qui est ça. C'est ça même qui est ça. N'est-ce pas? Non, dès que le direct va les comment on appelle ça? Tout le monde, il y a un sujet sur la toile qui fait le buzz. Hein? Tout le monde cherche le buzz. Apparemment, ce sujet-là fait gagner l'argent. Il faut que moi aussi, je parte chercher aussi ma part d'argent dedans. Donc, quand tout le monde va finir ce débat-là, je vais aussi venir m'asseoir sur ça. Et je vais donner mon point de vue. C'est ça qui est ça. Oui. Pour moi, il était ici là, non? On a parlé pour moi ici pendant combien de jours? Il y a un débat. Dans quel sens? Je comprends pas. Ah non, 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 ne parle pas de celle-là, pardon. Celle-là, ne parle pas d'elle. Quand tu vas parler d'elle, tu vas me pousser à dire des bêtises. Je suis en direct. Si tu parlais d'elle, je vais ndem. Tu vois, non. Elle, il ne faut pas parler. Non, 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 elle, il ne faut pas parler d'elle. Je suis en train de faire le direct. J'ai parlé de quelqu'un ici. J'ai dit Patrick. Il y a un blogueur qui s'appelle Patrick. J'ai dit que Pat. Pat. Indirectement, comment? Mais je parle de Patrick. Pourquoi tu interprètes mal? Je suis en train de parler de Patrick. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, cette journée-ci, aujourd'hui-là, j'ai suivi au moins trois directs où on parle de Patrick. Hein? Il y a au moins trois personnes qui ont parlé de Patrick. Donc vous allez me museler alors sur la toile maintenant. Pourquoi on ne musule pas les autres quand ils parlent de ma vie? Non, je te pose une question. Pourquoi quand on parle de mon dossier, mes dossiers? On ne ferme pas la bouche des gens. Tu ne peux pas répondre à ça. Non. Pourquoi quand on... Laissons un peu le type qui est en haut là. Le type qui est en haut là aussi, souvent il est fatigué. Est-ce que tu peux me répondre quand on parle de mes dossiers sur la toile, quand ça fait le buzz, pourquoi il faut laisser? Patrick a dit que je laisse. Pat, tu as demandé que je laisse. Non, non. Ça veut dire alors que vous êtes alors, vous voyez alors que vous êtes alors, vous êtes un trop, comment on appelle ça encore? Vous aimez les mougouets, en fin de compte. Laisse-moi d'abord y finir. Laisse-moi, je parle avec Pat. Laisse-moi, je parle avec Pat d'abord. Je passe un message à Pat. Ben non. C'est à Paris qu'on me coiffe. Je vais aller à Paris, oui. Je n'aime pas encore la robe. Tu sais que moi-même, le Kabangondo, ça dose sur moi.
Je suis une Sawa, hein. Je suis une fille Sawa. Je mets le ngondo. Pas les cabas qu'on porte sexy là, le ngondo. C'est quoi les caméras? Je parle là-bas pour les caméras. Tu viens d'aimer de tourner de ma conversation. Plus tard, bisous, 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 bonne nuit. Pat, il y a une situation qui est là. C'est ça qui est ça. Il est quelle heure? Je vais aller dormir à 23h. Donc, j'ai le temps encore. Je peux parler. Pat. Pato. Méfie-toi. La toile, là. Il faut te méfier de la toile. Tu as compris, non? N'essaye pas. Pour ne pas perdre le nord. Hein? Ne passe pas dans un direct. Parce que si tu passes dans un direct, tu es cuit. On va te manger cru. Il y a les pièges qui s'étendent pour toi. Tu sais que pas. On peut être vain. Il y a toujours une traître. C'est moi la traître. Je viens te prévenir. Oh. Si quelqu'un t'appelle pour dire que j'ai envie d'écouter ta version, méfie-toi, tu es piégé. Je parle en rien, mais méfie-toi. Si tu tentes, le monde entier va entendre. Le monde entier va entendre ta voix. Et le monde entier va entendre comment tu t'exprimes. Et sache que tout reste dans les archives. Même dans 50 ans, on va entendre, tes enfants vont dire, mais ça c'est Patrick qui parlait ici. Pat, méfie-toi, on te piège. Ne tente même pas. J'espère que ta famille, peut-être toi tu n'es pas sur les réseaux, mais peut-être tu as les sœurs, tu as les qui te suivent et qui nous suivent. Mon ami, moi-même, si j'ai l'occasion de te piéger, je serai la première à te piéger pour gagner le brassard. À l'heure sinon, mieux non, reste dans ton mapan. Parce que tu es là. Tu es le buzz en ce moment sur la toile. Et si tu sais que tu dépasses les stars de la toile, là, à l'heure-ci, on me dit que même les Makosso parlent de toi. On dit que même les Makosso, dont la Côte d'Ivoire, parlent de toi. Moula, là où tu es là, non? Tu peux même taxer, voilà un secret qu'elle te donne. Tu peux même taxer les gars là qui est payé, moi je viens intervenir, hein, et vont te payer juste pour le buzz. Voilà. Et vraiment, je vais appeler Patrick demain. Mais pas à condition que tu sais que moi je suis d'abord une mendiante. Donc on va te choco. Pense à moi parce que c'est les idées qu'elle te donne. Voilà ça qu'elle te dit. Moi, ils ont te donner des idées. Je dis que la blogueuse qui veut que tu passes dans son direct, tu tends la main. Tu dis, puisque tu vas gagner sur mon dos, paye-moi. Si on te guise 500, mon frère, tu me donnes mes 150. Moi, ça me suffit. Hein. Mes 150, là, je paye mon moyoko. Tu es non? Je te dis. Parce que qui est sûr, c'est que Tanga. Tanga a payé pour passer. Ta femme, ce n'est pas Tanga. Hey, excuse-moi. Nous ne pouvons pas manquer de respect à la madame. Madame a payé. Madame a payé pour passer dans les antennes de télé. Et madame, là, toi, madame, tu n'es pas très sérieuse. Tu ne peux pas partir dans une à la CIA TV. Tu quittes la CIA TV. Tu pars à Canal 2 encore. Après, tu quittes Canal 2. Tu fais toutes tes chaînes de télé. Toi, tu es notre worker international. C'est quoi ça? Va dans une chaîne, une seule chaîne de télé. Tu as fait toutes les chaînes de télé, mon frère. Aujourd'hui, je marche, j'entends que oui, elle est venue ici. Oui, elle était là-bas.
Oui, elle a dit que, oui, elle a dit que, Naya, Naya, toi-même, finalement, tu serais même plus crédible. Parce que moi, je prends le dossier là. Quand je vais décortiquer ce dossier, tu risques de ne pas avoir raison. Hein. Parce que c'est pas, on dit toujours que c'est pas celui qui porte plainte qui a raison. Ce n'est pas toujours le plaignant qui a raison. Donc, le pape veut déjà prendre ce dossier-là. Ce n'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Vous avez compris? Oui. Tu peux courir là, que tu t'en vas porter plainte. Arrivé là-bas, tu n'as pas raison. Ça, je vous dis que ce n'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Donc, Patrick est tellement sûr de lui que il n'est pas une femme pour amener ses problèmes de famille sur les réseaux sociaux. On est d'accord? Vous avez vu même, moi-même, est-ce que moi j'amène comme ça? C'est quand on m'amène que je viens maintenant aussi me défendre. Mais, Pat, c'est mon ami. Pat n'amène pas sa vie comme ça. Je vous dis encore, ce n'est pas celui qui porte plainte qui a raison. Maman, on dit ensemble ça. On dit ensemble si. Alors, si, hein, on dit ensemble si. Maniakama Bobé. Ça fait mal. On dit ensemble si. Aujourd'hui, là, quand je regarde mes cuisses, attendez un peu, je vous montre un peu mes cuisses parce que je ne comprends même pas. Mes cuisses brillent. Attendez. Regardez la cuisse, ça brille. Merde, maman, ça c'est le goût de ça. J'ai bu, comment on appelle ça? Mégère. J'ai bu, si c'est écarté, mégère. Ouais, Panaloba. Ouais, quelqu'un vient. Patrick. Patrick dit que. Je respecte quand même les gens qui conseillent Patrick. Patrick a les gens, les bons managers. Patrick a les bons managers. C'est pas tout le monde qui aime les réseaux sociaux, hein, pour dire la vérité. C'est pas tout le monde. Il y a les gens qui ont. Non, on va débattre. On va débattre ça. Vous croyez qu'un débat comme ça là, sur la toile, va arriver, ça part sans que le pape parle de ça. Vous me faites rigoler. Je vais seulement parler de ça. On va débattre ça. Je vais mettre le téléphone. Chacun va donner son point de vue. C'est ça qui est ça. Parce que moi, je veux donner mon point de vue sur ce dossier-ci. Et vous savez que moi, je suis jamais avec. Là où on supporte, là où c'est. Là où on dit que c'est ça. Moi, il dit moi tout le contraire, non. Vous connaissez, non? Voilà. Donc, sachez que bientôt, là, alors. Je veux refaire le buzz. Mon frère, comment je suis là depuis? Mon buzz est fini. On a dit un buzz passe. En ce moment, c'est Patrick, la star. Le gars là est fort aux fesses. Les gens pleurent que Pat doit passer dans mon direct. Pat, merde. Alors, si là, je peux me faire des soins, Pat. Il faut que je m'allie à Pat. Il faut que j'essaie de voir parce qu'il faut que je m'allie avec Pat. Pat et moi, on peut pointer. Pat, on doit s'entendre, toi et moi. Oui, on doit s'entendre. Parce que là où Pat est là, vu que. C'est un billet trop recherché. Pat, je vais te donner des idées. C'est de nos idées ici. Les gens peuvent me devancer. Tu vois, non? Mais pour l'instant, quand même, tu peux être mon ailier gauche. Tu es un bon joueur, Pat. Non, non, non. Pat a peur des réseaux sociaux. Et il a raison.
Il a raison. Pat. J'espère que ce n'est pas Pat qui m'appelle. Hein. Si c'est Pat, on est en haut. Peut-être c'est Pat. Hein. Oui, Pat. Allô? Pat. Le réseau de Pat dérange, il est au pays. Allô, Pat? Allô? C'est Pat qui cherche à me joindre. C'est Pat. Pas t'as compris qu'il y a les deux en jeu. Allô, Pat? Là, si tous les téléphones sont si vibrés, mon frère, le patron de la maison. Ouais, Pat, Pat, n'insiste pas. La connexion dérange là. Vous l'appelez, vous êtes en train de l'app. Dès que je prends, mon neveu aussi prend de son côté. Nous, c'est comme ça maintenant. Dès qu'il prend, mon neveu prend. C'est ça qui est ça. Oui. Nous, on est là. Nous, on soutient Pat. Nous, on avait Pat. Et nous, on conseille à Pat de ne pas passer dans un direct. Mais si Pat passe, ce n'est pas bon d'être. Oui, envoyez les cœurs pour Pat, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour Pat. Pat adore les cœurs. Mais si, c'est ça qui est ça. Envoyez les cœurs pour Pat. Envoyez les cœurs. Parce que Pat, vous savez qu'on parle là, il y a le buzz. C'est Pat qui fait le buzz en ce moment. Oui. Facebook. Facebook. J'ai dit, hein, demain, on fait quand même. Elle était cassée. Vous avez à trouver une maquilleuse pour moi. Parce qu'on doit faire le make-up. On doit se make-upper. Demain, on doit faire le make-up. J'aurais bien envie de faire un chignon. J'aurais bien envie de faire un chignon. Mais je n'ai pas fait le chignon parce que mes cheveux maintenant sont naturels. Je n'ai plus envie de mettre le défrisant sur mes cheveux. Et pour que mes cheveux tiennent un chignon, il faut qu'on peut-être on souffle. Hein. Je n'ai pas envie de faire. Vous savez que maintenant j'ai gardé mes cheveux. Hein. Moi, je ne suis plus là. C'est maintenant naturel. C'est comme le vieil déjà là. Le défrisant là, ça. Donc, il faut que on trouve une make-upeuse qui va me make-up. Vous voyez, non? On doit me faire le make-up. Parce qu'on dit que il tapait les. C'est que c'est très grave. On dit que demain là, c'est très grave. Donc, il faudrait que demain, hein, on doit me faire le make-up. Pas le make-up trop, non. J'aime les make-up légers. On me fait le make-up léger. Vous avez vu le make-up comment il faut payer, non? Voilà, ce genre-là. Le genre que ça va pas tacher la chemise. C'est pas danser le zouk avec un gars, que ça ne tache pas. Bien qu'une gamine vienne te saluer, que ça ne tâche pas, non. Oui. Donc, il me faut. Mais, c'est ma fille Michelle et son bas était là, maman. Elle allait me faire le make-up. Parce qu'elle a appris ça. Elle a appris ça à l'école du make-up. Elle allait me make-upper. Oh, mince. Mais c'est pas grave. On va trouver. On va trouver une jeune fille qui va venir faire le make-up au pape. Hein?
Si on ne trouve même pas, moi, je me l'ai fait à ma façon. Donc, vous ignorez quoi? Hein? Mais le problème, c'est que il y aura trop de filles très artificielles là-bas. Je suis obligée d'être aussi artificielle. Moi, je déteste ça. Pourquoi les filles maintenant, de maintenant ne peuvent pas rester naturelles un peu, non? Il y aura trop de filles artificielles là-bas. Et moi, alors, ça me fait souvent mal aux yeux, ça me pique. Parce qu'il faut qu'on me mette aussi des trucs ici, là, non? Vous appelez ça quoi, les machins? C'est les fossiles, là. Et ça va toucher mes lunettes, mon frère. Parce qu'à un moment, je vais enlever les lunettes. Mais ça va. Oh. Mes lunettes, si je dois mettre ça 24 sur 24, j'enlève seulement quand je dors. Parce que quand j'enlève, je reste sans lunettes. Après, j'ai mal aux yeux. Mes yeux commencent à gonfler. Vous voyez, non? Donc, les filles, apprenez un peu à être naturelles. Vous êtes trop artificielles, là, déjà. C'est trop. On m'a parlé des filles, là, qu'on me dit que. Où elles vont défier, elles vont nous défier là-bas. J'ai dit que quoi? Elles vont nous défier avec quoi? On dit qu'elles vont nous défier avec les make-up. Elles vont nous défier avec l'habillement. J'ai dit que si c'est l'habillement, moi je m'en vais acheter mon habit de 15 euros chez Zara. Je porte, je mets sur moi là. Mes épaulettes sont levées, col dressé. Personne ne me gagne. Dis donc, on va me gagner dans le make-up. Oui. Oui, on peut me gagner dans le make-up. Moi, on peut quand même gagner dans la tchoumbe, dans l'élégance. Mouf. Quoi? Moi, j'ai à les lasses. Hein. On dit que les galons, on les lasse. Moi, j'ai un peu. Et j'ai la bosse derrière. Hein. Vous avez vu toujours comment il tournait ma bosse ici. J'ai la bosse. Tant pis pour ceux qui n'ont pas la bosse. Hein. Moi, j'ai la bosse. À Kerem, j'ai la bosse derrière. Maman. Hé! Tout si. On ne se laisse pas faire. Quoi? On dit que oh, les gars-là vont vous défier. Christian de Monaco a dit que ma mère, je te fais confiance. Mets-toi, tchombé, même si ton habit coûte 15 euros. Oui, vous savez que ma boutique, c'est Zara. J'adore Zara. Donc, quand il parle, là, je m'habille chez Zara, là. Hein? Mon frère, j'enfile mon jean avec mon t-shirt là. Mamie paie. Parlez-moi de quoi? Hey. Et il faut que demain j'appelle. Hey, est-ce qu'on peut trouver encore décrocher mon téléphone, maman? Ça se passe comment là-bas? On ne m'a même rien dit. Ça se passe que quoi? Les affaires, c'est là. En tout cas, Patrick, quoi la chanson là, non? Patrick, mon chéri. Patrick, Pat, Loukot, ne teste pas Facebook. Le jour que tu passes dans Facebook, tu deviens une star. Voilà ça qui a été dit alors. C'est ça qui est ça. Tu passes dans Facebook, tu deviens une star automatiquement, rapidement. On ne passe même jamais dans Facebook. Parce qu'on va tendre tous les pièges. Et Facebook, c'est très dangereux. Facebook, c'est la justice populaire. Tu as vu qu'on arrête un bandit à Mokolo. On met la roue sur toi, on te brûle. Donc, Pat, tu passes là-bas. On va te brûler. On te dit ça là-bas alors. Tente même pas. Ok. On dit quoi? Elle t'est cassée. Il y a combien de t'est cassées qui seront là-bas demain? Je dois débarquer demain là. John Maria Casajon. T'as dit qu'il va marcher. Ça va seulement faire John Maria Casajon. Et si demain là, on ne me met pas le Makossa là-bas. Si demain, on ne me met pas le Makossa là-bas. Ou le Bikutsi. C'est-à-dire, parce que moi je ne vais pas représenter le Cameroun.
Donc, je ne suis pas une jeune fille. Je danse tout. Je dis bien, je danse tout. Mais si on ne me met pas Makosa ou le Bikuti, vous aurez de mes nouvelles. Je vais n'aimer. Je vous dis d'ailleurs, je vais n'aimer. Je dis que je vais n'aimer. Donc, sachez que il y a une ancienne fille au temps d'Aïdjo qui aime le Bikutsi, le Makossa, le Ben Sikin. S'il n'y a pas ça là-bas, Maléva Perpétue ne va pas, ça ne va pas donner. Donc, je préfère vous dire, c'est le genre que s'il n'y a pas ça, je ne vais pas rester là-bas. Voilà. Donc, on dit représenter. Voilà. On doit me mettre la culture de mon pays. Je sais que ce n'est pas une soirée de chez moi, mais c'est une soirée où on nous invite les Camerounaises. Donc, il va falloir nous satisfaire aussi. Il va falloir nous satisfaire. Donc, si moi, je n'écoute pas un peu de Makossa et on confirme, ça ne donne pas. On doit confirmer la présence. Vous avez entendu, non? Aujourd'hui, c'est confirmé. Donc, on doit confirmer qu'il y a des Camerounaises dans la salle. Oui. On doit confirmer. Donc, si on ne nous confirme pas, bon, je vous aime. Je vais aller dormir. Parce que moi, je vais rester là avec vous demain pour me lever. Ça va être un problème. Patrick, j'espère que tu m'as écouté, que tu dois faire très attention. Je suis très sérieuse. Méfie-toi des appels que tu vas recevoir. Entre-temps, tu peux être piégé par des caméras cachées. Donc, tu peux décrocher un appel sans savoir. On est en train de te piéger. Même tes amis, on peut se servir de tes amis, t'appeler, te poser quelques questions et tu es enregistré. Méfie-toi avec qui tu parles en ce moment au téléphone. Ça, c'est un conseil du pape, du monde entier. Vous savez, nous, maintenant, on est prêts à tout pour le buzz. D'accord? Donc, méfie-toi. Méfie-toi, je suis très sérieuse. Méfie-toi avec qui tu parles en ce moment. Vous toutes même, vous là, vous dont le sujet vous concerne là, méfiez-vous. Parce qu'en ce moment, vous êtes des cibles. On n'a pas, en ce moment, on n'a pas beaucoup de chantiers. Il y a des chantiers, moi j'ai des chantiers là, mais je n'avais pas très envie de parler en ce moment. Mais Patrick, méfie-toi. D'accord? Ça, c'est un conseil d'une vieille connaisseuse qui connaît les risques qu'il y a sur les réseaux. Méfie-toi de qui avec qui tu parles en ce moment. Tu te fais enregistrer. Je sais de quoi je parle. Même tes amis. Méfie-toi d'eux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit en vous souhaitant bonne fête demain. Donc, ceux qui seront là, n'hésitez pas. J'ai mon stylo. Je vais voyager avec mon stylo pour vous signer les autographes. Bisous, bisous là-bas. Bonne nuit. Vous savez que je dois encore d'abord verser l'eau. Et puis après, oui, maman. Bye bye. Pardon, vous me manquez. Mais sachez que Patrick, moi, le dossier, c'est moi, monsieur, il y a des dents. Balata. Vous savez ça? On dit ça.